Petit poney, petit poney, tu es tout gris, tout petit, petit poney, petit poney. Petit poney. Vous êtes à nouveau sur ma petite chaîne Tribal Gaming, avec cette semaine consacrée à tous les jeux indépendants. Mais aujourd'hui, on va faire une petite petite close avec, on va dire, un jeu qui était en promo, qui s'appelle Contagion. Un jeu de zombies, vous avez des flingues, vous construisez des trucs, c'est assez marrant. Je vais le découvrir en même temps que vous, je n'ai pas encore eu le temps de jouer. Vous avez vu, je me suis blessé, une petite brûlure, rien de grave, c'est un peu moche, ça vient de niquer complètement mon bronzage. Donc autant vous dire que c'est plus le bronzage qui me fait souci que la brûlure en elle-même. Mais on s'en fout, on est là pour jouer, et donc on va se plonger directement dans ce monde inconnu pour moi-même. Alors, on découvre qu'ici, il y a plusieurs modes de jeu, tous les modes, Escape, Extraction, Untied, Panic. Voilà. Je pense qu'on ne peut jouer que... Ah non, on peut tous les tester. Donc on va faire All Mode. On va mettre en facile. Solo. Parce qu'on va découvrir le jeu. On peut également jouer en coop avec des amis. Les advanced settings, on s'en fout. Et puis voilà, on va donc démarrer de suite. Downloading. Pom, 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 pom. Allez, on se revoit tout de suite après le téléchargement. Bido, 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 bido. Bido, 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 bido. Qui est fait, le téléchargement est terminé et on va partir directement sur la sélection de personnages. On peut être soit un vilain, soit un policier qui a l'air pas très très sympathique, soit tout le monde. Eh, pas tous en même temps. Voilà, calmez-vous, calmez-vous. Voilà. Ok, soit le policier un peu vieux, le mec avec une masse. Jessica, c'est Mannings, qui a l'air de pas tenir debout et qui a surtout l'air d'avoir de pisser. Celle-là, il faut peut-être pas trop la faire chier. On dirait une ado de 16 ans qui porte un flingue. Lui, à part son pantalon vraiment horrible, il a l'air bien équipé. Et Monsieur Muscle, il y en a toujours un. Ouais, Monsieur Muscle. On va dire qu'il est un petit peu fat. Moi, celui-ci me plaît bien. Non, peut-être pas le vieux flic. Pas tout ça en même temps. Voilà, on va prendre le premier, il me plaît bien le premier. Et donc on est parti. On va voir les touches de base. Donc viser le clic droit comme d'hab. Tirer, le scroll pour changer. Le clic gauche pour taper. Ok, on peut aussi utiliser d'autres touches pour changer. Et donc on est parti, E pour ouvrir. Ok, on peut pas taper la boîte aux lettres. Pourtant elle m'a regardé de travers. Alors, je ne sais pas par contre si l'on a une lampe torche. Ma chérie qui l'a testé tout à l'heure peut-être pourra vous dire. Non, il n'y a pas de lampe torche. Ça ne m'arrange pas. Vilaine poubelle. Voilà. On va rentrer dans cette maison un peu glauque où on entend des bruits. Je pense que je vais plutôt aller aux toilettes. Voilà. Où j'ai trouvé un fusil pompe. Que je vais éviter de faire du bruit. Voilà. Bon, on peut pas tout ramasser. On peut pas pisser. Voilà. Monsieur, vous avez un problème? Monsieur. Voilà, vous êtes guéri, monsieur. Ça va mieux? Non? Ça va pas mieux apparemment. Bon. Continuons notre exploration. Où nous retrouvons encore un fusil pompe que nous ne pouvons pas prendre. On ne sait pas du tout où on va. Il fait nuit noire. Mais on y va. Il y a des sons horribles.
Là, on peut apercevoir un toilette encore. On va essayer de grimper. Oh, qu'est-ce qui se passe? Allô? Non, ils veulent pas qu'on aille en haut. Il y a un bruit vraiment étrange. Un peu partout. Vilain micro-ondes! C'est très glauque, hein. Oui, je suis un casseur de fenêtres. Ok, on revient au début. Et je n'ai toujours pas compris le but de ce jeu. En revanche, je vois qu'il y a un vilain méchant à qui je vais... Oula, c'est vraiment dégueulasse. Il a laissé tomber un truc. Je sais pas si c'est une bonne idée de ramasser les trucs des zombies. Les touches sautées, toujours les mêmes. La barre d'espace. CTRL pour s'accroupir. Allons au garage. Non, le garage ne veut pas s'ouvrir. Donc il faudra certainement passer par une porte qui mène au garage. Voilà. Nous y sommes. Et nous n'avons rien trouvé. Ah, magnifique. Allez, continuons cette exploration. Monsieur, s'il vous plaît, j'aurais besoin d'un renseignement. Oui, vous? Le type bourré là. Voilà, excusez-moi. Oui, voilà, maintenant que vous êtes un peu plus calme, peut-on discuter? C'est vraiment malhonnête, il répond pas. Ok, alors là, on se trouve à nouveau face à un type bourré. Viens là toi. Voilà. Non mais il était pas bien, il était malade. Ok, je vois que... Ah, courir, shift. Magnifique. Une moto. Allez, on y va. Non, on peut pas. Bon. Oui, bonjour. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait, je comprends votre problème. Agnagnagna, agnagnagna. Moi aussi. Whatever. Quoi? Qui a dit ça? C'est vous? Tiens! C'est quand même vachement mal, des gros coups de batte dans ta gueule. Oh, magnifique! Des gens tout nus se sont éclatés en faisant de la musique. C'est plutôt sympathique. Est-ce qu'on peut jouer de la batterie? Non? Boum! Très réaliste. Non, la porte ne veut pas s'ouvrir. Je peux pas piquer des vêtements. Il y a un sacré carnage quand même. Ah, monsieur! Oui, oui, j'aurais besoin d'un petit renseignement. Monsieur? Oui, voilà. J'aimerais trouver exactement la même chemise que vous. Mais... Malhonnête, là. Je ne trouve... Qu'est-ce que tu fais, toi? Apparemment, la batte est vraiment efficace. Alors là, l'ambulance... elle n'a pas dû servir à grand-chose. Ok, on peut rentrer dans une autre maison. Mais qu'est-ce que c'est? Une corde... Ah non, la laisse à Fido. Est-ce qu'on va trouver peut-être un Fido zombie? Oula! Un sniper. Mais je continuerai avec ma batte. Parce que elle a l'air vachement bien. Bonjour. C'est le couchinier. Bijoux chez le couchinier. Ouais. Une agrafeuse. Ok, comment est-ce qu'on jette une arme? Ah! Une lampe de poche. C'est merveilleux. Ah, j'ai besoin d'aller faire un pipi. Non, d'accord. Bon, allons dehors. Par ce beau temps de juin.
Surtout que maintenant on a une lampe torche. Oh, même sur le fusil d'assaut. Alors, allons tester ce truc. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Tous les zombies du quartier vont se rameuter. Ah là là, pourtant j'ai vu le... J'ai vu The Walking Dead, j'aurais dû savoir. Ah là monsieur, non, je ne suis pas raciste. Mais vous voulez... Ah, tu as la tête solide mon ami. Alors là je pense qu'on est en petit mode exploration, je sais pas. Peut-être. En tout cas, les visites de courtoisie, t'es limite, hein. Voilà. Rallumons notre petite torche. Voilà. C'est un quartier quand même très mal fréquenté, je trouve. Bonjour. Voilà, vous avez un gros problème cérébral, monsieur. Oui. Voilà. Attendez, on va essayer de refaire un petit tir au pigeon. Y a personne derrière. Ok. J'ai trouvé ça vachement bien. Ah oui. Je crois qu'il y en a un deuxième par là. Ah oui. Ah. Attendez madame. Je n'ai pas le suppositoire pour vous. Je vais plutôt utiliser le grand suppositoire. Et pour vous aussi madame. Voilà qui est fait. Et on continue à explorer le petit quartier bien sympathique où je me suis installé. Et voisin, vous êtes là? Oui, alors, j'adore votre voiture, monsieur. Les voisins n'ont pas l'air d'être là. Ouh, les magnifiques fleurs. Bonjour. Il y a quelqu'un? Je peux plus rien prendre. Le problème est que je ne sais vraiment pas comment on lâche ces flingues. Ah, voilà. Et là, j'ai une cloueuse. Alors là. Ah, le fusil pompe a l'air pas mal aussi. Mais qu'y a-t-il dans une cave? Un billard. Pensez à quoi? Grande devine. Un billard. Un Uzi, comme tout le monde. Une bonne bouteille. Un jeu de poker. Une cloueuse. Ouh, il m'a l'air joli celui-là. Alors, le sniper, tu te casses. Oh, ça, ça doit faire du dégât. Et alerter bien évidemment toute la ville. Ouh, le joli petit coin de terrasse. Oh, magnifique. Bon. Donc pour l'instant on a découvert un petit peu ces bases du jeu Contagion. On testera avec mes amis d'ici demain le mode coop ou le mode multiplayer. Et également je vous ferai découvrir dans la partie 2 de cette vidéo, pour pas qu'elle soit non plus trop longue, les autres modes de jeu. Donc là c'était uniquement pour découvrir un petit peu le scénario. Le jeu est vachement bien foutu. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Pour l'instant il est en promotion, donc profitez-en. Vous pouvez jouer quelques jours gratuitement. Et toi là-bas. Et ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. Messieurs les zombies. Non. Bon, on va terminer sur, je sais pas, on va essayer de trouver un zombie, s'il en reste encore un, de se faire manger pour un bon final. Les zombies, je suis là. Ah, voilà. Bonjour,
Comment allez-vous? Je vous mets... Ah non, je vais vous tuer avec mon flashlight. Oh! Regardez, on dirait Edouard de Twilight. Edouard, mon chéri, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, jouons ensemble. Edouard? C'est toi? Ah. Je vous présente Edouard et Bella. Ah, il a fait tout un game. Bella, je t'aimais. Non, Edouard. C'était la mienne. Non, pourquoi es-tu si méchant avec moi? Je ne suis qu'un loup, garou. Edouard, je voulais être ton ami. Non, Edouard. Numéro 1 de la comédie. Voilà, donc pour cet épisode 1 de Contagion, je vous invite donc à le tester. On essaiera de faire une coop et qui sait, peut-être que vous jouerez aussi. Et on pourra s'inviter, faire des parties, etc. Donc, jusqu'à demain pour l'épisode 2. Je vous dis à tout bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci encore pour mes 56 abonnés. Je sais, ça démarre doucement. Mais déjà, c'est génial pour moi. J'espère qu'on atteindra des sommets, vous et moi. Et qu'on pourra petit à petit jouer tous ensemble. Entre mes abonnés, moi-même, etc. Et prendre délire total. Allez, je vous fais un gros bisou. Peace. À demain pour l'épisode 2.